En 2023, les douanes camerounaises ont collecté 1019,8 milliards de francs CFA sur un objectif initial de 973,7 milliards de francs CFA avec une contribution de plus de 60% sur l'enveloppe globale par le secteur littoral dans la capitale économique. Une performance qui témoigne de la qualité des réformes entreprises par les autorités camerounaises en matière de collection des recettes dans un contexte difficile marqué notamment par la résilience face aux chocs multiples auxquels fait face l'économie mondiale. Je suis particulièrement satisfait de leur performance. Le directeur général de la douane vous l'a dit, pour la première fois, la douane en 2023, a franchi le seuil symbolique de 1 000 milliards de francs CFA de recettes recouvrées. En ces temps de difficultés, en ces temps où nous avons besoin de toutes les ressources publiques, ces performances de la douane qui sont à saluer. Mais... À l'heure où le corps de la douane célèbre sa journée internationale, le ministre des Finances salue une institution au cœur de la sécurité des personnes, des consommateurs et des commerçants grâce à son rôle de barrière et de frein à la prolifération des produits dangereux et prohibés sur le territoire camerounais. En 2023, la douane camerounaise a saisi plus de 800 uniformes à usage militaire, ainsi que plus de 540 véhicules de contrebande, 9350 cartouches et munitions de guerre, 30 sacs d'alumine servant de précurseurs chimiques à la fabrication d'engins explosifs improvisés, mais aussi 194 000 comprimés de tramadol, 1,2 kg de cocaïne ainsi que 300 tonnes de médicaments issus de la contrefaçon et de la contrebande. On a tendance souvent à oublier le rôle important que joue la douane dans la sécurisation du territoire national. Vous avez entendu tout à l'heure, il y a un certain nombre de saisies qui sont faites par les agents de la douane, que ce soit des choses prohibées comme des armes, que ce soit des choses un peu qui peuvent nuire à la santé, comme la drogue, comme des faux médicaments, que ce soit des choses qui ont une incidence sur l'économie, par exemple des faux vins, beaucoup de choses qui peuvent nuire justement à la santé des entreprises, etc., etc. Selon les perspectives de l'administration douanière du Cameroun, les recettes douanières globales attendues en 2024 sont estimées à environ 1 079,9 milliards de francs CFA, une hausse de 10% par rapport aux prévisions de l'année 2023.